Orogrov est une psychonef, certes élevée en couveuse, mais avec plusieurs dizaines de trous de verre à son actif. Son capitaine, dont le nom est Belle, n'est cependant pas une cloche. Même si une cuillère percutant son crâne est le meilleur moyen d'appeler l'équipage à la soupe. Grand amateur de cocktails, d'étoiles, il a plus écumé les bars torves du bord du monde que les hôtels 7 étoiles des planètes impériales. La passoire qui lui tient un lieu de crâne est un ventilateur idéal pour son cerveau malade qui ne chérit qu'un rêve. Capturer un snark. L'animal pilote est un pieuvre. L'accélération centripète des hyperlombriques a tubulé sa carcasse et l'on ne sait plus trop s'il naquit tapir ou castor. D'aucuns prétendent qu'il s'agit d'une romancière terrienne qui adorait se faire appeler « mon petit castor ». D'autres, qu'il n'est qu'un vulgaire ragondin microcéphale des marais de Kwan. Toujours est-il qu'il pilote comme un as et que les calculs n'ont aucun secret pour lui, sauf s'ils sont rénaux. Quant à l'équipage, merveille des merveilles, on ne sait trop par où commencer, alors finissons-en par en parler. Tout d'abord le boucher, qui manie son arme avec dextérité, et que le capitaine ne pouvait qu'engager. Éventrage et dépeçage en tout genre, mais finesse et doigté pour préparer un émincé ou un feuilleté. Sous une apparence frustre, c'est en fait un fin gourmet et le snaf. Fin du fin, il rêve de cuisiner. Vient ensuite le banquier, expert en assurance et en prêt. Cette expédition coûteuse, il l'a entièrement financée, un échange de quoi le snark lui appartiendra enfin. Les droits d'exploitation, de diffusion, de reproduction, d'interprétation, d'intimidation et d'imagination. Le banquier est un as de la magouille, mais certes pas une fripouille, car ce n'est que du snark qu'il parie la dépouille. L'anamnésique est le plus étrange d'entre eux. Le capitaine, un soir de cuite, l'a embauché, tandis que l'autre le débauchait. L'anamnésique a un pouvoir unique. Il voit le futur. Oui, gentil garçon cubique et fillette anémique. Le futur, il voit. Et dans le futur, il croit. Mais il ne peut rien en dire, sous peine de se médire. Car tout futur dévoilé aussitôt, disparaît. Alors, qui peut le croire? Le capitaine Belle. Oui, le capitaine Belle. Lorsque sa tête passoire exhale les vapeurs de 100 cocktails d'étoiles. Peut-être Alice, Alice la rêveuse, Alice la blanchisseuse. Venue de nulle part, elle s'anira partout. Du snark elle a rêvé, du snark elle rêvera. Et c'est peut-être en rêve qu'elle le capturera. Il y a par ailleurs un tas d'hommes de main qui aujourd'hui, malheureusement, n'y sont point.
Oh.